Ciao tout le monde, c'est Nico. Donc voilà une petite vidéo pour revenir sur mon actualité. Donc aujourd'hui on est le mardi 8 avril. Donc je me lève et je vous montre, comme ça on ne pourra pas dire que je suis un mytho. Donc voilà le mardi 8 avril. Donc voilà, je suis obligé de faire une vidéo aujourd'hui parce que je vois un peu tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Par rapport à mon actualité. Et comme je vous connais par cœur, la presse, vous allez essayer de me faire passer pour le mauvais à la fin de cette histoire. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est mardi. Je suis soi-disant attendu jeudi au Brésil parce que j'aurais soi-disant, encore une fois, trouvé un accord avec un club brésilien. J'aurais soi-disant aussi déjà signé avec ce club. Je ne sais pas, c'est une histoire fantastique qui m'arrive. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. J'ai reçu une offre de ce club, certes, par l'intermédiaire d'un agent. Donc déjà, je n'ai jamais parlé avec ce président. Je n'ai jamais parlé avec une personne de ce club. L'offre, je ne l'ai jamais acceptée. Donc je ne sais pas comment je peux avoir déjà signé ce fameux contrat. Donc pour moi, c'est une histoire extraordinaire. Ça fait 20 ans que je suis dans le football. Je n'ai jamais vu ça encore. J'ai jamais vécu. Mais il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. En plus à moi. Enfin bref. Tout ça pour dire que non, c'est pas vrai. C'est faux. J'ai dit récemment que j'allais rester un peu à la maison, prendre des vacances et m'occuper de mes enfants. J'ai dit récemment que j'allais rester un peu à la maison, prendre des vacances et m'occuper de mes enfants. Donc c'est ce que je fais et c'est ce que j'avais l'intention de faire. Je sais déjà où je veux aller si jamais j'ai l'intention de continuer. Mais en tout cas, c'est pas au Brésil.